Mario. Alors, 14 ans après, je vous ai proposé le test de Super Mario Galaxy 2. Et bien, 28 ans après, je vous propose le test de ce jeu à l'origine de tous les Mario en 3D suivants, à savoir Super Mario 64. Bonjour, c'est moi Adam, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du test de Super Mario 64, jeu de plateforme 3D développé et édité par Nintendo, et sorti le 23 juin 1996 au Japon, le 26 septembre aux États-Unis, seulement le 1er mars 1997 en Europe, et bien plus tard, le 1er septembre en France. C'est un jeu qui se joue à un joueur. Alors pourquoi est-ce que je vous propose un test sur ce jeu alors qu'il est extrêmement connu, c'est un sujet qui a été vu et encore revu. Bon, alors je vous ai déjà proposé un test sur les autres Mario en 3D qui sont sortis, donc autant vous en proposer un également sur ce Super Mario 64. Puis j'aime bien proposer un test sur un petit peu tous les jeux que j'ai pu faire, qu'ils soient rétro ou récents. Alors, donc, nous allons pouvoir commencer. On va tout d'abord s'interroger un petit peu sur le succès du jeu. Parce que, à l'évidence, il s'agit d'un jeu culte. Un jeu culte pourquoi ? Bah parce que c'est un jeu qui a marqué les joueurs. Voilà, c'est également un jeu classique. Parce qu'il a apporté des règles, il a défini les codes des jeux de plateforme 3D qui ont suivi. Donc pourquoi est-ce que ça a eu autant de succès? Bon, déjà on est en 1996, ce sont les débuts de la 3D, voilà, en plus c'est le jeu de lancement de la Nintendo 64. Nintendo 64 qui certes avait du retard par rapport à la PlayStation 1, mais tout de même, la Nintendo 64 apporte le stick directionnel, hein, qui est utilisé avec ce Mario 64, hein. Bon. Et donc, ça permet de contrôler Mario avec une facilité, j'ai envie de dire, assez remarquable. Je veux dire, n'importe qui peut réussir à contrôler Mario, ne serait-ce qu'un petit peu. Il n'y a pas de problème particulier de maniement, même si c'est un petit peu vieilli, mais voilà, ça explique en partie le succès du jeu. Et comme je vous l'ai dit, le jeu il a eu du succès sur le long terme, parce que ça définit les codes des jeux de plateforme 3D. Alors, on va parler du scénario de l'univers du jeu. Bon, alors le scénario, c'est toujours aussi basique dans les jeux Mario, hein, c'est-à-dire que voilà, Peach invite Mario pour manger un gâteau au château, mais Peach, il s'avère que la princesse a disparu, et les étoiles de puissance là, du château ont été enfermées dans les tableaux. Et c'est Bowser qui est à l'origine de tout cela, donc il va falloir, eh bien, j'ai envie de dire, botter le cul de Bowser, voilà, afin de remettre les choses dans l'ordre, et ainsi secourir la princesse. Bon, donc évidemment, un scénario d'une très grande complexité, enfin un contexte, oui, et même un scénario d'une très grande complexité, j'ai envie de dire, hein. Bon, qu'est-ce que c'est que ça, là? Pourquoi il se retourne à chaque fois, là? C'est assez pénible. Qu'est-ce qui lui arrive, là? D'habitude, j'arrive à passer au-dessus. Là, il veut pas, là. Regarde ça. Il se retourne à chaque fois, le roi Bobon, là. Qu'est-ce qui lui arrive? Quand veux-tu que j'attaque par derrière? Alors, en ce qui concerne l'univers du jeu, bon, on retrouve toujours cet univers Mario qui, ici, est l'univers Mario dans son sens le plus pur, j'ai envie de dire. On retrouve les Koopas, les Goombas, les ennemis de base, Mario, Bowser, Peach. Donc on retrouve les personnages, les protagonistes, antagonistes de base. C'est l'univers Mario de base pour moi. C'est Mario 64 que je prends comme référence. Voilà. On a toujours ce côté fantaisiste, coloré, voilà.
avec le château de Peach comme lieu central, voilà, c'est l'univers Mario de base, quoi. Contrairement à son successeur Super Mario Sunshine, qui s'éloigne de ce Mario 64 en adoptant un univers assez différent. Tout d'abord en changeant de lieu, puisque nous ne sommes plus dans Royaume Champignon, mais sur l'île Delfino. Hein. Alors, nous allons désormais parler du gameplay, tout d'abord des actions de base. Mario a une quantité de mouvements disponibles assez impressionnante, et c'est un des Mario 3D où nous avons le plus de mouvements de base. Hein. Donc voilà, on peut toujours donc, sauter, faire un triple saut, voilà comme ça. On peut attaquer, c'est-à-dire qu'il va donner un coup de poing. Regardez, ça a tué la plante piranha. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc voilà le salto arrière, salto latéral, saut en longueur. Hop, comme vous pouvez le voir, comme ça. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses disponibles. Voilà, on peut s'agripper au mur. Voilà, c'est... On peut s'accroupir et tout en étant accroupi, on peut attaquer. Vous voyez, on peut donner un coup de... Faire une espèce de petite figure comme ça. Bon, c'est pas extrêmement utile, mais bon, c'est tout de même présent. Donc voilà, on a quand même un panel de mouvements assez conséquent tout de même. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Et donc voilà, et c'est ça qui est excellent, c'est qu'avec... Uniquement grâce à ses mouvements, avec ses mouvements de base uniquement, on peut réussir à appréhender le level design et tout un tas de niveaux, tous aussi différents les uns que les autres. Voilà, et c'est ça qui est tout de même particulièrement intéressant. Alors, nous avons également des transformations, ainsi que la caméra, qui est assez particulière. On va tout d'abord parler de la caméra. On a deux types de caméras, on a la caméra Lakitu qu'on utilise la plupart du temps, comme vous pouvez le voir. On peut orienter assez souvent dans beaucoup de directions différentes, 360 degrés, même si bon, ce sont des directions assez précises. C'est pas comme Mario Sunshine où le mouvement de caméra est fluide, là c'est assez segmenté. Mais on a également la vue Mario, c'est-à-dire qu'on a une vue assez proche. Comme vous pouvez le voir, ça c'est la vue du point de vue de Mario, quoi. Donc c'est assez proche, on peut également l'éloigner. Et ça va être utile lors dans les passages exigus. Voilà. Donc la caméra, il faut savoir la maîtriser. Bon, en ce qui me concerne, ça ne m'a pas posé de problème particulier, mais je tiens tout de même à préciser, parce que certains trouvent que ça a quand même pas mal vieilli. Alors en ce qui me concerne, voilà, je n'ai pas de problème particulier, mais... et voilà. Si on n'a pas l'habitude, faut quand même s'y faire. Alors moi, j'ai joué au jeu avec la manette Nintendo GameCube, donc j'ai pas de problème. Mais c'est vrai que la manette 64 de base, comme c'est en forme de trident, il faut s'y faire, quoi. Alors, en ce qui concerne les transformations... ah oui, j'aurais peut-être pas dû aller là. Je vais quitter ce niveau-là. Parce qu'on a des transformations. On a trois transformations. On a le Mario... invisible, hein, comme les boues, comme les fantômes. Mario argenté, là, de plomb, Metal Mario, voilà, qui permet de marcher dans l'eau, et non plus de nager, parce qu'on peut nager dans l'eau, le maniement dans l'eau, d'ailleurs, il est bon aussi. Et puis on a le Mario ailé, grâce à la casquette ailée, comme ça. Donc toutes les transformations se font, on les obtient grâce à une casquette. D'accord, c'est les casquettes qui vous donnent ce pouvoir. Et donc, comme vous pouvez le voir, voilà, je peux voler comme ceci. Donc, on va voici en ce qui concerne le gameplay, hein, il n'y a pas non plus 50 000 trucs à dire. C'est assez simple à comprendre, mais c'est dans cette simplicité que l'on peut aborder un level design assez complexe. Donc, on va désormais parler de la structure du jeu. Nous avons un hub central, à savoir le château de Peach. D'accord. Ce château qui en impose d'ailleurs, hein, il a un certain charme. Il y a un côté un petit peu labyrinthique, il y a plusieurs étages, des couloirs, des passages entre guillemets un petit peu secrets. Donc voici le château, hein, qui a d'ailleurs été repris avec une architecture différente dans d'autres jeux Mario, mais
Vraiment, c'est depuis ce Mario 64 qu'il a véritablement cette place toute particulière au sein des jeux Mario. Et donc, ce hub central, d'accord, ce lieu, ce centre névralgique, permet d'accéder à différents niveaux. D'accord, des niveaux, des mondes ou des niveaux, hein, j'appelle, c'est comme ça que j'appelle la chose. Il y en a 15, là, comme vous pouvez le voir, là, il y a la liste. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Là, ça va jusqu'à 15. Donc ça, ce sont les niveaux, les mondes principaux, d'accord. Mais on a également des niveaux spécial boss, d'accord. Ça, c'est un niveau boss, c'est-à-dire qu'à l'issue de ce niveau, on a un boss qui est Bowser. Voilà, comme ça. Comme le niveau final, pareil, c'est un niveau qui est dédié au boss final, qui est Bowser également. Et en plus de cela, on a également des niveaux secrets dans le château, c'est-à-dire qu'on a des petits passages secrets derrière lesquels se trouve un niveau dans lequel vous allez pouvoir récolter une étoile. Voilà. Voilà, c'est à partir du château de Peach et de ces différents tableaux que l'on accède au monde, voilà, au niveau. Ce sont des tableaux, d'accord. Voilà, je trouve que vraiment ce hub, ce château de Peach, voilà, il a de l'allure, il y a un certain charme. Enfin, ça ressemble plus à quelque chose que le vaisseau Mario qu'on a dans Super Mario Galaxy 2. Alors, en ce qui concerne la composition des niveaux, la composition des mondes, les niveaux de Bowser ou les niveaux secrets du château ne sont constitués que d'une seule étoile à récupérer. Alors non, je me trompe, parce que les niveaux de Bowser, il y en a deux. Il y a des pièces, il y a l'étoile de base qu'on récupère après avoir combattu Bowser, que je vais combattre à l'instant. Et puis, on a des pièces rouges à récupérer. Ça, ce sont les niveaux de Bowser. Les niveaux secrets, il y a une seule étoile à récupérer souvent. Bon, parfois, il peut y en avoir deux. Mais les 15 mondes, les 15 niveaux principaux, eux sont constitués de 7 étoiles à récupérer. D'accord, il y en a 7. 6 principales. Alors si je ne balance pas, ça ne va pas aller. 6 principales et une 7e qui est additionnelle et qui se récolte en ayant récupéré 100 pièces. Bon, ça n'est pas intéressant. Récupérer 100 pièces. C'est tout sauf intéressant. C'est pas intéressant pourquoi? Alors déjà parce que ça prend du temps, c'est fastidieux. C'est pas le fait que ce soit difficile. Dans les mondes du début, c'est pas difficile. Et dans les mondes de la fin, bah, ça l'est plus, hein, forcément. Mais c'est pas intéressant, quoi. On passe je ne sais combien de minutes à chercher les 100 pièces difficilement, là. C'est juste fastidieux, quoi. Voilà. Mais sinon, les 6 étoiles principales sur les 7, de façon globale, c'est assez intéressant à récupérer au niveau du game design. Voilà, moi je trouve ça assez intéressant à récolter, moi je trouve ça bien. Alors, donc, on a 15 mondes principaux, comme je vous l'ai dit, on a 15 niveaux de base. Alors, et dans chacun de ces niveaux, on a 7 étoiles, comme je vous l'ai dit également. 15 x 7, ça fait 105. Donc on a 105 super étoiles qui se récoltent grâce aux 15 mondes principaux. Et les 15 étoiles restantes, bah, ce sont des étoiles secrètes. Regardez le petit lapin là, c'est une étoile secrète du château. C'est-à-dire que c'est même pas un niveau, il faut juste courser le lapin, l'attraper et on obtiendra une étoile. Donc, voilà, vous avez 15 étoiles secrètes qui s'additionnent aux 105 de base afin d'obtenir 120 étoiles. Vous avez 120 étoiles dans dans ce jeu, quoi. Voilà, il y en a 120. Ou 121 si on compte la toute dernière. Hein. Bon. Ah, ce niveau-là est excellent. Voilà, c'est celui des laves fatales, là, moi j'adore. Hein. Mais justement, on va parler des niveaux plus en détail dans la mesure où nous allons discuter du level design. On a un level design qui se situe entre utilisation du gameplay et challenge. Le level design des niveaux de ce jeu permet véritablement d'utiliser le gameplay. Alors, au début du jeu, vous pouvez vous contenter d'utiliser des mouvements de base, sauter, hein, etc. Sauter éventuellement
un saut en longueur de temps en temps, mais bon, c'est pas vraiment nécessaire au début, parce que c'est assez simple. Les niveaux du début sont simples. Mais lorsque plus on avance, plus le challenge est élevé. Et plus le challenge est élevé, plus le jeu vous demande de maîtriser le gameplay, plus le jeu vous demande d'utiliser des mouvements complexes. Voilà, je me souviens là du monde trempé séché, pour récolter les pièces rouges là qui se trouvent là dans l'espèce de ville en ruine là, c'était pas forcément évident. Voilà, parce que c'est un monde tout de même avancé dans le jeu. Donc plus on avance, plus le challenge est présent et plus on va vous demander de maîtriser le gameplay, d'utiliser les différents mouvements de Mario. D'autant qu'il n'y a pas de checkpoint dans ce jeu, c'est-à-dire que si vous mourrez ou si vous vous plantez, vous êtes éjecté du niveau et vous devez retourner à l'intérieur. D'accord, hein, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce jeu. Hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est pareil dans Mario Sunshine, c'est à partir de Mario Galaxy où on a des checkpoints. On réapparaît à des endroits précis. D'accord, matérialisé sous forme de petits drapeaux à partir de Mario Galaxy 2. Et voilà, dans ce Mario 64, vous tombez, vous êtes éjecté du niveau, vous devez le recommencer. Hein. Bon. Alors, donc on va sortir d'ici. Et voilà, le challenge est voulu. Alors le jeu, de façon globale, je ne le trouve pas particulièrement difficile. Mais tout de même, c'est vers la fin. Vers la fin, là, vraiment, le monde de l'horloge, là, ou celui de la course arc-en-ciel, c'est quand même quelque chose, hein, les gars. Moi, j'ai trouvé ça assez hallucinant, celui de l'horloge. Et puis, on a des petites idées de... Celui de l'horloge, il change selon que l'aiguille soit à un endroit particulier ou un autre, hein, je crois. Hein, je sais plus exactement, mais les plateformes bougent ou non. Enfin, vous voyez, il y a quand même des idées au niveau du game design et du level design. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je sais pas, je vais faire ça. Hein. Mais voilà, je trouve tout de même que Mario Sunshine est un peu plus dur. Hein. Ce Mario... Ah zut, les plateformes bougent. Ça va mettre en difficulté, ça. Dans Mario Sunshine est un peu plus dur. Ce Mario 64, j'ai pas trouvé si difficile, en réalité. Donc on va désormais parler de... toujours du level design. Mais nous avons un level design qui est basé sur l'exploration. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on rentre dans un niveau... on est balancé, comme vous avez pu le voir, on est balancé dans le niveau. Et c'est à nous de trouver l'étoile. Et la seule indication en question, ben c'est le titre. Le titre, là, c'est « Les trous et le pendule ». Et on doit se débrouiller avec ce titre afin de trouver l'étoile. Mais justement, il va falloir explorer pour la trouver, cette étoile. Pourquoi donc? Parce que les niveaux sont assez grands, assez ouverts, comme vous pouvez le voir. On peut aller vraiment n'importe où. Alors celui-ci est assez vertical, c'est tout en verticalité au niveau du level design, mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus dans l'horizontalité, entre guillemets, c'est assez ouvert et assez vaste. Et donc, il va falloir explorer pour trouver l'étoile uniquement grâce au titre. Hein, ce qui n'est pas toujours évident. Et c'est pourquoi vous pouvez d'ailleurs vous tromper d'étoile. Tiens, pourquoi est-ce que vous pouvez vous tromper d'étoile? Parce qu'elles sont toutes déjà là. Dans la plupart des niveaux, les étoiles sont déjà présentes, elles sont déjà là. Donc, si je récolte celle-ci, ça n'est pas celle qui correspond au titre que je viens de vous lire. Hein. Les trous et le pendule, non, regardez, j'ai récolté roulement dans la cage. Je n'ai pas récolté l'étoile pour laquelle je m'étais rendu dans le niveau. Parce qu'elles sont toutes déjà là. Donc il n'est pas rare de se tromper l'étoile. C'est pas quelque chose de rare. C'est ce qui... Ça peut arriver, oui. Parce qu'elles sont toutes déjà là. Donc là, je trouve ça excellent. Que toutes les étoiles soient déjà là et qu'on puisse se tromper. Ça montre vraiment que... qu'on peut se tromper. Qu'on peut être dans l'erreur. Et qu'il faut donc véritablement se concentrer et véritablement explorer afin de trouver la bonne étoile. Donc moi je trouve ça assez intéressant. Alors on va prendre, on va choisir ce niveau là. Je vais vous parler d'un autre truc aussi là.
Alors attendez, je vais prendre celui-là, peu importe. Oui, c'est à partir de Mario Sunshine que l'on a une petite présentation du niveau pour nous montrer un peu... Là où se trouve l'étoile dans Mario Sunshine, mais pour nous montrer directement le chemin pour y aller à partir de Mario Galaxy, puisque l'exploration a disparu dans Mario Galaxy, Galaxy 2 et 3D World avant de revenir en force dans Mario Odyssey. Les différents niveaux ne sont pas tous de même qualité dans leur level design. C'est-à-dire que je trouve que ce deuxième niveau dans la neige n'est quand même pas le plus intéressant. Ça reste fun, mais c'est pas le niveau le plus intéressant du monde, quoi. C'est-à-dire que ce sont les niveaux vers la fin. C'est pas extraordinaire, hein. T'as le deuxième niveau dans la neige, donc celui-ci. Le monde des grands petits, trop haute montagne, bon, c'est pas non plus... c'est pas incroyable, quoi. Mais de façon globale, ça reste quand même un très très bon level design. On va désormais parler de la direction artistique du jeu. Ah, il faut se mettre derrière le pingouin, bon, c'est pas grave. On va parler de la direction artistique. Alors, j'aimerais bien pouvoir m'en aller ce niveau-là, merci bien. En premier lieu, l'ambiance. Il y a une véritable ambiance dans ce jeu qui lui est totalement unique. Mais c'est une ambiance, c'est un charme, c'est une identité quelque part. Ah, j'ai perdu la casquette de Mario dans l'autre niveau, ça c'est une bonne idée. Y a quelque chose avec ce jeu, quelque chose d'unique. Donc ça c'est pour la transformation de Metal Mario. Pour moi c'est l'ambiance Mario de base, l'ambiance Mario par excellence. Ouais. Mais cette ambiance, elle se fait essentiellement grâce, aux musiques, hein, essentiellement. Il y a aussi les visuels, mais tout d'abord les musiques. Écoutez-moi ça. Voilà, écoutez-moi ça. La musique s'appelle Dear Dox, c'est absolument excellent. La musique de ce niveau aquatique, c'est fabuleux. Très très belle musique, mais on a aussi la musique du château de Peach, la musique de la sélection. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là tout d'un coup? Il y a un petit problème. La musique de la sélection du fichier, là, quand on lance le jeu. Excellent. Très répétitive, et moi j'adore. Non, moi je trouve qu'il y a vraiment pas mal... Mais évidemment, il fait n'importe quoi! Et voilà, il va crever. Ah, bravo. La musique à la fin du jeu, la route de Bowser, là, des niveaux de Bowser, c'est excellent. C'est culte, quoi. Voilà, la musique du combat de fin, mais surtout celle des crédits de fin. Voilà. Les crédits de fin de ce jeu, moi je trouve ça fabuleux. Voilà. Je trouve ça fabuleux. Mais le problème, c'est que les musiques sont assez répétitives. Hein. C'est-à-dire que la musique du monde numéro 1, la bataille de Bobomb, c'est aussi réutilisé dans le monde des grands petits, dans la trop haute montagne et dans la forteresse Womp. C'est-à-dire que c'est un peu trop répétitif. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes excellents, mais ça se répète parfois au niveau des thèmes de base. Mais sinon, c'est très très bien. Hein. En ce qui concerne les visuels, c'est un jeu coloré, hein, c'est un Mario, mais c'est cohérent, quoi. On est dans l'univers Mario, donc c'est normal que ce soit coloré. Il y a une certaine cohérence tout de même. Les visuels sont en adéquation avec l'univers Mario, quoi. Je le précise parce que, par exemple, Mario Odyssey, lui, il va un peu plus dans tous les sens et c'est un peu bizarroïde. Alors pourquoi la pieuvre là ne devait-elle pas s'en aller? Je ne sais pas trop pourquoi. Au niveau technique, c'est bien, enfin c'est plutôt bien. Hein. Après, c'est le début de la. Pourquoi est-ce que l'espèce d'anguille, pardon, j'ai n'importe quoi. L'anguille ne veut-elle pas s'en aller là? Donc oui. On a certaines textures parfois un petit peu affreuses. Bon, ok. Mais bon, c'est un jeu qui est sorti en 96-97. C'est le début de la N64. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas...
C'est un peu normal. Disons qu'on a fait un petit peu mieux par la suite, même sur Nintendo 64, mais le jeu reste quand même assez joli, regardable de nos jours. Donc nous allons pouvoir conclure. Il s'agit là, donc Mario 64, d'un jeu intemporel en fin de compte. Hein. C'est un jeu intemporel qui a un peu vieilli, mais pas tant que ça, je trouve. C'est pas un jeu qui a beaucoup vieilli. Hein. Ça reste encore très maniable, très amusant. Le level design est très bon, permet véritablement une exploration, mais qui, contrairement à Mario Odyssey, ne prend pas le pas sur la plateforme. Mario 64, il est excellent parce qu'il réussit à concilier plateforme pure, hein, exploration, avec des petites idées intéressantes. Voilà. Pour moi, c'est une parfaite retranscription des Mario en 2D, mais cette fois-ci en 3D, voilà, sur cette console de nouvelle génération à l'époque. Donc voilà, c'est un jeu excellent à l'époque qui reste encore très très bon, voire excellent de nos jours. Voilà, c'est un jeu et un jeu très important pour le jeu vidéo parce que en réalité, tous les jeux de plateforme 3D qui sont sortis par la suite s'en inspire quelque part, voilà. Et il y a un certain charme, regardez-moi ça, Château de Peach, rien que ça, voilà. Il y a quelque chose qui s'en dégage tout de même, je trouve, encore. Donc c'est la fin de cette vidéo, d'ailleurs je voulais le préciser, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est pas mon jeu préféré ou quoi que ce soit, mais c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup aimé, parce que ça reste encore fun de nos jours. Donc ça montre quelque part qu'il est intemporel. Même plus de 25 ans après, on peut encore s'amuser avec ce jeu-là. Hein? Même 28 ans précisément. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo ainsi qu'à la partager. Et donc je vous dis à la prochaine.